19h à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal sur nos antennes de la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le titre. Incroyable mais vrai, l'Iboulou Mazengelere fait surface sur, malgré les multitudes de travaux de réhabilitation faits à cet endroit sur la chaussée Université. La praticabilité de ce tronçon devient quasiment impossible. La population sollicite une intervention urgente du gouvernement. Les images dans ce journal. Les rivières des Lualaba sont polluées avec risque de maladies dermatologiques sur la population. Les écologistes plaident pour une réparation urgente et saisissent la justice. Et puis, une bonne nouvelle dans ce journal pour la population du Haut-Katanga, le sac de 25 kg de maïs va s'acheter désormais à 18 000 francs congolais grâce à cette récolte de 300 tonnes de maïs à la ferme Baya dans le cadre de l'industrie militaire produite par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette information. 5 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une attaque de groupes armés au centre de recherche de l'INERA à Nioka dans la province de l'Ituri. Le PCA de cette structure en appelle au ministre de la recherche scientifique pour la sécurisation de ce site. Marie Calon nous en parle. Et humains et quelques pertes en vies humaines ont été enregistrées au centre de recherche de l'INERA Nioka dans la province de l'Ituri, et ce suite à une attaque d'un groupe rebelle. L'information a été livrée au ministre de recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, par le président du conseil d'administration de cette structure, accompagné du directeur général adjoint, qui craint que la province perde ce centre à la suite de la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du territoire national. Le centre de recherche de l'INERA Nioka en Ituri. Ils ont été envahis, c'est tenu par les rebelles qui sont en Ituri. Malheureusement, dans le centre, ils ont pillé, et non seulement des pillages, mais nous avons perdu des agents. On a tué nos agents. 4 ou 5 agents, c'est quand même beaucoup quand il s'agit de la vie, des vies humaines. Et les bétails, n'en parlons pas. Le centre perd ses cadres, il perd ses chercheurs. Nous sommes venus informer l'autorité pour que, n'est-ce pas, des dispositions soient prises le plus rapidement possible pour protéger les vies humaines et également protéger le matériel de recherche au niveau de l'INERA Nioka qui se trouve dans la province de l'Ituri. Le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a promis de saisir la haute hiérarchie pour que des solutions idoines soient trouvées. Toujours en ce qui concerne la partie est de notre pays, le prestataire de services multidisciplinaires de 9 zones de santé de la partie sud du Nord Kivu sont à l'école de renforcement de capacités sur l'application de la mise en œuvre de directives pour le traitement de survivants des violences sexuelles et sexistes. C'était au cours d'un atelier clôturé cet après-midi à Goma. Reportage. Et la mise en œuvre de la directive de traitement des survivants des violences sexuelles et sexistes de 9 zones de santé de la partie sud du Nord Kivu ont clôturé à Goma ce vendredi 8 octobre 2021 des assises de renforcement de capacité de 5 jours. La vision est de vouloir ramener les soins de la santé mentale dans les soins de santé primaire. Et le vœu le plus ardent, c'est principalement l'amélioration de la qualité des soins des malades, a rassuré Idriss Bora, chargé de programme de CBM, une organisation qui a financé cette activité. Nous sommes en train de vouloir ramener les soins de santé mentale dans les soins de santé primaire. C'est ça l'objectif que nous visons à la fin de ce projet. C'est un long processus, mais nous devons vraiment y travailler. Et raison pour laquelle nous avons pensé que cette activité d'aujourd'hui puisse aider à atteindre cet objectif en commençant par le renforcement des capacités des prestataires des soins, et principalement sur 4 modules importants, à savoir celui le médical, et la prise en charge psychosociale. L'un des formateurs en la personne de Bienda a révélé que des troubles peuvent survenir chez les victimes des violences sexuelles et basées sur le genre et sont deux fois exposées à divers problèmes, entre autres la tristesse. Nous avions la charge de donner des corrélations, donner des problèmes, car il s'agit des cas de violences sexuelles qui peuvent être violentées par plusieurs bourreaux.
C'est sûr et certain que sur les plans psychiques et sur les plans psychologiques, ça peut engendrer d'autres problèmes que nous pouvons mettre dans l'entité des problèmes de santé mentale. Les assises ont connu, entre autres, la participation des médecins, des psychologues, des infirmiers, des organisations étatiques et non étatiques, pour ne citer que cela, de 9 zones de santé de la partie du sud du Nord Kivu. Le directeur pays du CBN, Amadou Cissé, a été représenté par Idriss Imbora, chargé de programme de cette organisation. Faire face à la famine, c'est à ça que l'industrie militaire s'active. 300 tonnes de maïs viennent d'être récoltées à la ferme militaire de Baya, fruit du travail de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un bouffet d'oxygène pour le ménage. Un sac de 25 kg de maïs sera vendu à 18 000 francs congolais. Le vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou, a inspecté l'entrepôt. Elle a également payé le frais relatif à l'acquisition de titres français de la dite ferme évaluée à 2000 hectares. Jojo Ndibou pour le commentaire. L'armée comme levier dans le développement, la RDC y pense et met en place des stratégies pour en faire un pilier dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est dans ces contextes que la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou, a effectué une visite d'inspection à l'entrepôt qui accueille près de 300 tonnes de maïs produits de la ferme militaire de Baya. Nous sommes là à Lubumbashi, capitale du cuivre. Des produits alimentaires, de consommation courante qui seront vendus vendu à coût réduit à raison des 18 000 francs congolais le sac de 25 kilos. Bien avant cette importante visite et au cours de la même journée, la vice-ministre de la Défense s'est rendue à la circonscription foncière des Kipushi pour verser le frais relatif à l'acquisition des titres fonciers de la dite ferme d'une superficie de 2 000 hectares. Le chef de l'État tient à tout prix à sécuriser les différentes fermes militaires dans toutes les provinces avec les documents des affaires foncières. C'est donc ma raison d'être ici. Toute personne ayant spolié ou acquise un lopin de terre dans ces sites de la ferme militaire de Baya sera déguerpie, a martelé la vice-ministre de la Défense nationale. Pendant ces temps à Kinshasa, la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap est en plein revisitation pour enrichir certains articles et faciliter le parlementaire son adoption. C'était au cours d'un atelier organisé par le ministère des tutelles dont le directeur de cabinet de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap a présidé les travaux. Ces travaux d'enrichissement de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, adoptée à l'Assemblée nationale, ont connu le concours de différents experts de tous les secteurs, de la société civile, du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, du CICR et des ministères sectoriels. Les participants devraient ressortir les trois aspects dont la loi sur la promotion, la protection et la participation des personnes vivant avec handicap pour aboutir à une meilleure inclusion sociale. L'atelier qui a été clôturé par le directeur du cabinet du ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap, Philbert Sessanga, a mis un accent particulier sur les mesures d'application de l'article 49 de cette loi devant répondre à certains instruments juridiques. Le souhait le plus ardent de notre ministère est celui de voir les amendements formulés à l'issue de ces assises être pris en compte par les honorables sénateurs au cours de cette session parlementaire. Les partenaires, notamment le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, ont réaffirmé leurs engagements d'accompagner le ministère délégué en charge de PVH APV dans le processus de la promotion et de la protection des droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Les experts ont recommandé le respect et la promotion des droits des femmes et des enfants vivant avec handicap, voire l'assurance de cette loi à la réponse des besoins réels de toutes les catégories des personnes vivant avec handicap et à la rencontre des engagements du pays à tous les niveaux. Après l'acquisition de bus de transport congolaise, Transco, cette société s'attelle au déploiement des engins à travers les provinces. L'Équateur sera servi d'ici là. Le vice-ministre de transport, Marc Ekilala, certifié à la délégation des notabilités de cette province au cours d'une réunion de travail dans son cabinet.
En ce 21e siècle, à Mbandaka, Bassankoussou, Bikoro, Ingende et d'autres territoires de la province de l'Équateur, le vélo et la moto sont les seuls moyens de transport utilisés par la population. Cette situation de manque des moyens de transport a été présentée au vice-ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekilali Kombo, par une délégation de la notabilité élargie aux membres de la société civile et de la jeunesse de l'Équateur. Je profite de l'occasion pour dire que le chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'inaugurer une ère nouvelle. De cette rencontre où a été associé le directeur général de Transco, cette délégation en sort satisfaite d'apprendre le déploiement dans les prochains jours d'un lot de bus Transco dans la province de l'Équateur. On ne peut pas parler d'un développement sans qu'il y ait ces moyens de transport, et surtout de biens et de services qui doivent être commercialisés, qui doivent être emportés, et ça fait aussi un revenu. Nous remercions le président de la République puisqu'on voit que c'est l'une des axes que le gouvernement a mis dans sa politique. En attendant, les études des faisabilités seront menées pour matérialiser ce grand projet à impact visible en vue de redorer l'image de l'Équateur, rassure le vice-ministre de Transport, Marc Ekilali Kombo. Réconforter les habitants de Beni pendant cette période de l'état de siège, c'était ça l'objet de la visite effectuée à Beniville le mardi dernier par la ministre congolaise de l'Emploi et Prévoyance sociale. Sur place, Claudine Doucy a donné le go au paiement de prestations sociales. Reportage. L'emploi, travail et prévoyance sociale a brièvement séjourné en ville de Beni où elle est arrivée par l'aéroport de Mavivi ce mardi 5 octobre 2021. Madame Claudine Doucy a indiqué que sa visite s'inscrivait dans le cadre de la matérialisation des instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du gouvernement congolais, bref, réconforter la population dans cette province sous état de siège depuis mai dernier. Je suis en tournée pour réconforter les affiliés du régime général de sécurité sociale en rapport avec la situation qui prévaut ici. J'ai bien parlé de la situation de l'état de siège. Aussitôt après, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale s'est dirigée dans l'enceinte de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS Antenne de Beni où elle a procédé au lancement des paiements des prestations sociales à une centaine de bénéficiaires. Selon Claudine Doucy, l'enveloppe a été revue à la hausse. En plus des sommes d'argent, les intéressés ont également reçu des téléphones, des vivres, mais aussi des objets classiques pour leurs enfants. Une moto a été remise à leur président, une façon de lui faciliter la mobilité pour recueillir à temps utile les nouvelles des prestataires sociaux. Question de témoigner une fois de plus l'attachement du gouvernement Samalou Kondé à la population de Beni. La présence en ces lieux, effectivement, c'est un signal fort pour vous dire à vous, chers frères et sœurs de Beni, que le gouvernement de la République est très près, très sensible et très attentif à tout ce qui se passe dans ces contrées. Sentiment de satisfaction pour les prestataires sociaux et les chefs d'antenne de la CNSS Beni, M. Mumbere Christian. Ce dernier a, au nom de ses agents, remis un cadeau à la ministre en guise de reconnaissance. Par ailleurs, l'antenne de Beni et son personnel louent les efforts du gouvernement de la République et encouragent l'attention particulière que celui-ci accorde au régime général de la sécurité sociale à travers notre ministère de tutelle. Signalons que cette cérémonie s'est clôturée par un partage des repas entre les officiels et les vieillards. Quittons le Nord Kivu pour la province de la Tchopo. 120 containers de matériaux de construction dédiés à la construction de cimenterie de la Tchopo et en voie des disparitions au port de la SCPT. C'est le constat de la mission de l'Assemblée nationale conduite par son président, l'honorable Gilbert Bokungu, qui interpelle les autorités judiciaires. Les rapports du service des renseignements qui avaient nos containers qui avaient les matériels et équipements qui devraient aller construire la cimenterie de la Tchopo. Et une fois après avoir analysé les rapports, nous sommes dit, nous descendons en délégation à Kinshasa pour aller nous rendre compte pratiquement par rapport à la situation. Mais ayant déjà vu les 23 conteneurs qui sont ici et que le document normatif nous parle de 120, donc le travail qui reste de retrouver les 97 conteneurs qui restent. Donc raison pour laquelle nous lançons ce cri d'alarme à ce moment et sollicitons auprès du président de la République, chef de l'État, les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat,
le premier ministre et chef du gouvernement, les services de renseignement et de sécurité, les VPM, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisée, affaires coutumières, ainsi que les ministres de l'Industrie, les caucus des députés nationaux et sénateurs de la province de la Tchop, ainsi que les notables, et aussi l'inspection générale des finances, de nous accompagner dans la démarche pour pouvoir découvrir, n'est-ce pas, les 97 conteneurs qui restent. Mais je vous dis que non, voilà, si une fois la cimenterie est installée dans la province de la Tchoupo, ça va alimenter, donc ça va booster beaucoup de choses. Ça va alimenter tout l'est du pays et aussi les sites. C'est-à-dire là, je vois le nord, le site Kivu, l'Ituri, les Baouélé, les Haut-Touélé, les Maniema, pourquoi aussi Mongala et les autres provinces, voire même Kinshasa. Et je vous informe en passant que la qualité de calcaire qui se trouve dans la Tchoupo, c'est la meilleure au monde. Et si aujourd'hui, une fois installée cette usine, je pense que ça va relever beaucoup de défis et ça va également résoudre les problèmes des souverains primaires qui sont nos électeurs. La table ronde sur le droit de la femme et la santé des reproductions s'est clôturée à Lubumbashi. Plusieurs résolutions ont été prises et je vous prie de le découvrir dans ce reportage. La promotion des droits en santé sexuelle et la reproduction de la femme est un article du protocole de Maputo qui doit être vulgarisé afin de lutter contre les inégalités des droits et la violation des droits de la femme. C'est l'essentiel du mot de bienvenue du directeur de l'IPAS, le docteur Jean-Claude Mulunda, à l'ouverture de la table ronde. Ces inégalités se traduisent par des écarts significatifs entre les hommes et les femmes. Pour sa part, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Leopoldine Salilan Condé, a dans son mot d'ouverture sollicité l'amélioration des conditions de la femme. Un panel s'ouvrira par la suite avec deux sous-thèmes, dont le contexte sanitaire autour de l'avortement et les violences basées sur le genre en RDC, ainsi que le contexte légal de l'avortement selon le protocole de Maputo. Il se fait que l'avortement doit se faire d'une manière légale et dans une structure sanitaire bien équipée pour sécuriser la femme. C'est après un débat houleux que la ministre provinciale Salila Condé a clôturé ses tables rondes. Je demande à chacun de nous d'être ambassadeur de la promotion des droits, de l'accès aux soins de santé, de la production de qualité pour la femme. Sur ce, je déclare clos cette table ronde sur les droits de la santé sexuelle et reproductive. Pour rappel, la RDC est signataire du protocole de Maputo. La convention est entrée en vigueur le 25 novembre 2005. Il s'agit d'un protocole international de l'Union africaine amenant les États signataires à garantir les droits des femmes. Deux antipaludéens, deux anti-inflammatoires, bref, de médicaments génériques ont été distribués aux formations médicales de Kolwezi dans la province de Lualaba dans le cadre de la coopération entre la Banque mondiale et la RDC. Une opération supervisée par le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouik. C'est par l'hymne national que s'est ouverte cette cérémonie officielle de remise de médicaments génériques destinés aux 110 formations sanitaires que compte le Lualaba. Une cargaison d'environ 40 tonnes de consommables escortés ces jours par la société pharmaceutique industrielle purement congolaise Fatkin, qui a, au travers son directeur général Dona Kambale, fait ses preuves dans les cadres du programme d'appui au système de santé en RDC, financé par la Banque mondiale depuis 2017, a dit son représentant à la cérémonie. Dès sa création, le laboratoire pharmaceutique Fatkin s'est fixé pour mission de rendre disponibles et accessibles les médicaments essentiels génériques de bonne qualité, ainsi que les matériaux médicaux sur toute l'étendue du territoire national. Dans son speech fait au nom du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, le ministre provincial en charge de la santé, Jules Kabouit, a remercié la Banque mondiale tout en saluant le travail abattu par Fatkin dans ces processus. J'exprime ma reconnaissance à la Banque mondiale qui finance le projet PDCS et permet à la province du Lualaba de bénéficier des appuis importants au travers de l'approche de financement basée sur les performances des 210 formations sanitaires de cette province. Ces médicaments seront acheminés dans les 14 ans de santé du Lualaba. Après le Kasaï, les rivières de la province de Lualaba sont aussi polluées et risquent de provoquer de maladies dermatologiques à la population. Les écologistes de la province s'y sont levés et saisissent la justice pour prévenir le pire. Le docteur Dieya nous explique au micro de la RTNT Lualaba. Les
Les échantillons prélevés ont été initiés par Tenke. Tenke lui-même ne peut pas être à la fois juge et parti. C'est lui le pollueur. Nous-mêmes, on ne pouvait même pas prélever. C'est pourquoi nous sommes venus vers le parquet, que le parquet réquisitionne ceux qui vont prélever, examiner, c'est tout. Et la pollution à Kabombo, il ne faut même pas attendre les résultats des analyses, parce qu'elle est visible à l'œil nu. Il y a des maladies de peau, l'eau a changé de couleur, la poussière partout. Même s'ils vont faire des milliards, mais ils doivent respecter les normes et les principes environnementaux. Nous souhaitons que l'affaire soit fixée au niveau du tribunal pour que Tenke répare, c'est tout. Hein. On fait confiance à la justice congolaise. À la population de Kabombwa, je leur promets des résultats positifs. Qu'elle ne soit pas distraite, qu'elle ne soit pas prête pour être corrompue. Le Parti Soleil est derrière elle-même la population. Elle viendra déposer, elle viendra comparaître, elle viendra témoigner. Donc la justice congolaise fera son travail. Merci beaucoup. Je vous le disais au sommaire, l'Ibulumang Zengele refait surface en dépit de travaux réalisés plusieurs fois sur ses axes par l'Office de voirie et drainage. Un trou béant s'est de nouveau créé, rendant la circulation sur le tronçon Yolo Kapele Rompoingaba impraticable. Si vous ne le savez pas, cette ouverture se situe sur la chaussée Université dans les encablures de la commune de Ngaba et Makala. Nos reporters Iverson Kabwaba Oscar Mbal sont allés faire le constat après le cri d'alarme de la population. Encore un cauchemar pour les habitants de la commune de Ngaba, un trou béant connu sous le nom de l'Ibulumang Zengele. Des tristes mémoires refait surface après des travaux d'Hercule effectués à cet endroit il y a quelques années. Les usagers de l'avenue de l'université, sur les tronçons compris entre le rond-point Ngaba et le marché Kianza, pointent un doigt accusateur à l'entreprise qui avait réfectionné cet axe routier. Cette route a été réhabilitée il y a de cela quelques temps, mais curieusement, nous sommes étonnés de revivre encore ces nouveaux calvaires. Nous souffrons avec nos véhicules, les rotules et les lames se cassent à cause de l'état de cette route de Manzengele, alors qu'elle est d'une importance capitale. Emprunter ces tronçons routiers pendant les heures de pointe signifie retarder son parcours de 2 heures à la suite de bouchons et oublier ses urgences. Les habitants environnants s'en remettent aux autorités compétentes. Nous vivons comme des enfants abandonnés, sinon comme des orphelins, alors que la mission des autorités urbaines est aussi d'assurer les bonnes conditions à leurs habitants. Nos autorités elles-mêmes, pendant qu'elles étaient aux études, elles passaient sur cette avenue. Pour mettre fin à ce triste et célèbre nom de l'Ibulumang Zengele, des travaux de génie civil et de qualité méritent d'être effectués. Dans l'entretemps, l'avenue de l'université reste peu fréquentable. Fini la pénurie d'eau dans la commune de Makala, un forage d'eau vient d'être inauguré. C'est un don d'un bienfaiteur. Désormais, l'eau coulera à flot au centre de santé de Kimbanzi, situé au quartier Mabulu 1, dans la commune de Makala, resté longtemps sans cette denrée. La ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, a procédé ce jeudi 7 octobre à la coupure du ruban symbolique, mettant ainsi en service ce forage à la disposition non seulement de cet hôpital, mais aussi de la population de ce coin de la ville. Ces initiatives dans le secteur de la santé ne peuvent que être encouragées. Donc nous nous sommes déplacés pour dire à la population que nous sommes de cœur avec eux. La construction de cet ouvrage de 145 mètres de profondeur permettant de tirer l'eau potable à offrir aux usagers sans inconvénient avec plus de 1000 mètres cubes par an est une réponse au plaidoyer mené par l'honorable Henriette Ouamou, présidente de la fondation qui porte son nom auprès de l'église de Saint des derniers jours pour résoudre le problème de carence d'eau qui tracasse ses électeurs de la commune de Makala. Cet outil va permettre à coup sûr à une frange importante de la population de la commune de Makala à avoir accès à l'eau potable.
Ces travaux ont été financés par le département d'aide humanitaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, exécuté par l'entreprise Emmanuel Office Espérel. Pour cette église, la foi doit être accompagnée par l'acte. En prélude de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année, le centre Télémain, qui prend en charge le malade mental, a organisé une matinée de sensibilisation sur cette maladie. Reportage Redépanda. Sont un véritable problème de santé publique, taxé abusivement ou par ignorance des maladies de mauvais sort, des sorciers. Les troubles mentaux sont une pathologie naturelle. En prélude de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année, le centre de santé Télémain de deux bonhommes, Amatété, sensibilise déjà sur les thèmes édictés par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir le respect des droits des malades mentaux. Ce thème sera développé le samedi 9 octobre prochain lors de la célébration. Chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la santé mentale. Quand on dit Journée mondiale de la santé mentale, c'est un peu comme on dit la Journée mondiale de la femme. La santé mentale est un peu méconnue à travers le monde et les maladies mentales également sont méconnues, mais il faut que les gens sachent que nous célébrons aussi cette journée. Alors cette année, l'OMS nous propose de sensibiliser la population et cette année, cette journée tombe un dimanche. Nous l'avons ramenée au 9 octobre et nous aurons une conférence débat au centre de santé mentale d'Elema sur ce thème-là, le respect des droits des malades. Donc nous interpellons toute la population à venir suivre cette conférence débat. On ne perd rien en apprenant. La santé mentale, c'est des maladies qu'on peut soigner, c'est un problème de santé publique. La problématique sur la politique genre et représentativité de la femme au sein d'une entreprise, conformément aux recommandations mondiale. C'était l'objet de l'atelier de deux jours organisé par le Bureau central de coordination et de contrôle BCECO à Soulotani Hôtel. Redépanda était présent. La collaboration entre hommes et femmes dans la profession est un élément incontestable dans le cadre de la politique du genre au sein des différents services. Ayant constaté le besoin de représentativité genre, le Bureau central de coordination et de contrôle, BCECO, qui veut s'inscrire sur l'échiquier mondial, a organisé une matinée d'échange pour discuter sur l'égalité des genres, pour le développement intégral qui prend en compte le droit des uns et des autres. C'est tout l'objectif poursuivi au cours de cet atelier de réflexion consacré dans les traitements genre. L'égalité s'apprend, l'égalité se partage. Selon le professeur Nathalie Vuminina Kabanda, consultante en genre au sein du BCECO et oratrice du jour, la représentativité des femmes est une nécessité. Au sein de BCECO, nous avons constaté qu'il y a vraiment cette nécessité-là. Tu sais également la femme au poste de commandement. En tant que femme, nous devons aussi agir ensemble avec les hommes pour faire connaître nos droits. Et c'est important que l'homme et la femme agissent ensemble. À la clôture de ces assises, le directeur général AI du BCECO, Gaspard Kabongo Moutissé, a encouragé les femmes à aller de l'avant. Pour les femmes du BCECO, nous les encourageons à se battre pour remplir les critères, se former davantage, travailler d'arrache-pied, sans considérer que la femme est inférieure à l'homme. À l'issue de ces échanges, les participants, hommes et femmes, ont pris conscience du rôle de la femme dans le travail. Et plus jamais, la femme doit continuer à se victimiser. Les résultats d'une enquête réalisée à Pakadjouma ont été publiés par l'Association pour les interventions de femmes en faveur du développement. Je vous propose de le découvrir dans ce reportage d'Edith Chala. L'imité Pakadjouma est tristement célèbre, à tort ou à raison, pour la promiscuité et la débauche qui y battent leur plein. Ce que l'on ne dit pas beaucoup, c'est que les filles mineures s'y font exploiter sexuellement par ignorance, par misère ou par pur proxénétisme. Une organisation de l'AIFED, en collaboration avec la VIFEM, structure du ministère du genre famille et enfants, et grâce au financement de l'Agence de prévention et de lutte contre la traite des personnes, appel TP en sigle, a réalisé une enquête dont le rapport a été présenté au public. Une des formes de la traite des personnes qui passe inaperçue pour les non-initiés. Alors que le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée et pourtant formelle en parlant de l'exploitation. Elle est une atteinte à la dignité humaine. Elle exploite les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les filles, les enfants. Il est un devoir pour chaque citoyen du monde de contribuer à l'éradication de ces fléaux de traite des personnes, quelle qu'en soit la forme et en tout temps. La jeunesse africaine a un nouvel ambassadeur. Il a été présenté au CULPAC. Je vous propose de suivre ce reportage de Sandra Nyangi. Un nouveau porte-étendard de la paix universelle, Trésor Bagaya Mukwe Biamungu, a été honoré par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents, CULPAC en sigle, en lui attribuant le titre honorifique d'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix. Au cours de la cérémonie de réception du titre, le repromu a pris la mesure de sa responsabilité dans une fonction qui nécessite un don de soi. C'est pour nous un honneur de nous retrouver dans ce site prestigieux de la diplomatie congolaise suite à notre élévation au rang d'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix par le Conseil universel de la paix des nations et des continents, CULPAC en sigle. Nous acceptons notre mission, non pas comme un héros, mais comme un humble serviteur de la paix. Le moment est opportun pour nous, jeunes, de jouer un grand rôle dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine dans son combat pour la paix, les antivaleurs et l'État de droit. Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents, CULPAC, contribue par ses titres à la mobilisation mondiale pour l'entente des hommes. Le soi de Trésor Bagaya Mukwe est un moyen de cultiver la paix dans l'esprit de la population juvénile qui est majoritaire. Et puis cette conférence tenue à Kinshasa, axée sur les apports de sciences psychologiques à la gestion sanitaire et mentale de la pandémie, cette conférence a été animée par le professeur de l'Université de Louvain-la-Neuve, le professeur Olivier Luminette, devant les anciens étudiants de cette université. Malumbela était sur place. Dû à la pandémie de coronavirus a augmenté aussi bien les niveaux de stress et d'anxiété au sein de la population, surtout chez les personnes infectées et guéries. Cette maladie est à la base des pertes d'emploi consécutives à la baisse des activités économiques et l'isolement social notamment. Cette situation a créé des conditions pour que le professeur Olivier Luminet de l'Université de Louvain anime une conférence autour des apports des sciences psychologiques à la gestion sanitaire et mentale de la pandémie. Le psychologue belge a démontré l'importance indéniable d'instaurer la prise en charge psychologique en cette période où sévit la pandémie de Covid-19. Cet aspect psychologique, il a malheureusement été négligé partout. Même en Belgique, les 6 premiers mois, personne n'en tenait compte, alors que le psychologue a aussi un rôle dans l'organisation de campagnes de prévention, dans des conseils en termes de communication, quels mots il faut utiliser, ne pas utiliser la menace par exemple, mais inciter les gens de manière volontaire à s'informer, dire aux gens non vaccinés, prenez le temps de réfléchir, ne pas les presser dans le temps. Et donc j'espère qu'en RDC aussi, à un moment donné, les autorités auront l'occasion de se rendre compte que l'aspect psychologique est aussi important. Le président du chapter alumni RDC, Eric Kalala, qui a initié cette activité, en souligne bien l'importance. Le plus important, c'était quelque part de relancer nos activités au niveau du chapter de l'UC Louvain ici en RDC. Comme vous le savez, notre environnement a été fort influencé, fort dérangé par la pandémie, même au niveau de nos activités. Et donc, avec ce pont entre l'université et la société, je crois qu'un thème ne pouvait pas être le plus intéressant pour relancer nos activités que celui de la Covid. Et je voudrais aussi remercier le professeur Luminet, qui était de passage ici en RDC. Ça nous a permis d'avoir un expert pour pouvoir discuter de ce domaine-là, très intéressant vu le contexte général. Les bouleversements induits par la survenance de la Covid-19 nécessitent la mise en commun des connaissances, y compris celles relatives au comportement humain, à l'instar de la psychologie. Merci à Malumbela pour ce reportage qui met fin à ce journal. Mesdames